Bon matin! Bienvenue dans mon bordel! Les enfants sont debout depuis 6 heures. Il est maintenant 8 heures et quelques, donc 2 heures de bordel. Puis c'est ça. Puis ce matin, j'ai décidé de me préparer un petit peu à inspiration de les vlogs de Myriam avec un Y sur son Instagram. Elle parlait de se préparer même si on n'avait pas de raison. Donc je l'ai faite, puis à 5h30 à matin, je me suis maquillée. Et je peux dire que je me sens mieux. Fait que je vais peut-être faire ça de temps en temps, même si c'était très dur de se maquiller quand tes yeux écoutés, là, mettons. je les ai décroutés avant, OK? Mais c'est ça, là. La plus vieille est debout depuis 5h30. Ruby, 6h15. Mais ça n'a pas été une super de belle nuit, mettons. La plus vieille, elle s'est réveillée avec des cauchemars vers 1h30 ce matin. Elle hurlait sa vie au meurtre. J'ai même entendu à travers la machine à son. Fait que clairement, elle pleurait très fort. Et après ça, madame ici, elle a le nez un petit peu congestionné, puis elle se réveillait vraiment, vraiment souvent. Donc, c'était pas la plus belle nuit, mais on va avoir une belle journée. J'ai décidé de filmer un vlog aujourd'hui. Au début, j'allais filmer un haul épicerie pour mon vlogmas. Mais je vais en faire d'autres plus tard dans le mois, plus par rapport à la bouffe à Noël. Mais, ok, oui, mon amour. Bon, je vais juste arrêter mon bébé, je vais vous revenir. Prise, je sais pas combien. Mais c'est ça. Mon haul d'épicerie, il va falloir que je fasse une épicerie plus tard dans la semaine, vu que mon notre frigo, il est comme pété, là. En tout cas, il y a un gros bruit toute la semaine. Finalement, on a fait venir quelqu'un, aïe aïe. Puis, il y a de la pleine glace qui faisait du bruit avec quand la fan frottait dessus. Fait que là, il fallait le dégeler au complet, puis lui, il va venir voir lundi pour voir c'est quoi qu'on répare. Donc, on a tout déménagé notre bouffe dans le deuxième frigo dans le sous-sol, mais là, il déborde, donc je ne vais pas acheter d'autres bouffes tant que c'est pas urgent, parce que, tu sais, on n'a pas de place, et qu'on va comme manger ce qui est dans le congé puis dans le frigo. Donc, j'ai pas de haul épicerie intéressant à vous montrer, mais on va faire des commissions aujourd'hui. Je dois aller aux gens coutus ramasser des tasses que j'ai fait faire pour certaines personnes de ma famille pour Noël. Je m'en fais tout le temps faire une aussi pour l'année, fait que je vais vous montrer la mienne. Aussi, je voulais aller au Dollarama. Je veux acheter... Ça va, Boubou? Bon, comme je disais, madame, elle aime vraiment les brosses à maquillage pour jouer avec, puis là, j'en ai plus pour moi, fait que je vais y en acheter à elle, en espérant qu'elle les aime autant. Puis, il y avait quelque chose d'autre que j'avais besoin de Dollarama, mais je m'en rappelle pas. Puis après ça... Bon, je suis vraiment désolée pour le charlage de ma fille, je sais pas ce qui se passe ce matin. Elle était fatiguée de sa nuit de merde. Mais c'est ça, après ça, on va aller au Walmart, je vais juste ramasser quelques trucs qu'on a vraiment besoin, mettons du lait... du jus de citron pour mon mari parce qu'il y a la gorge pleine de morve. des petits trucs comme ça. Puis aussi, je voulais checker si les dindes sont sorties. Mon père m'a dit de l'acheter puis il va le garder dans son congélateur. Puis justement, je vais aller au Walmart dans son coin. On va aller dîner du McDo avec lui à son magasin puis je vais laisser la dinde là-bas. Donc, je vous montre nos petites commissions à fur et à mesure, notre petite journée de famille. J'espère que vous allez aimer ce petit vidéo Vlogmas style Day in the Life commission. Donc, on se reparle après la sieste à madame. Finalement, Ruby a été longue à endormir, donc on est parti plus tard. Donc, j'ai essayé de venir au Walmart puis chercher le McDo avant. Puis, en revenant de chez mon père, on va aller au Jean Coutu puis au Dolo. Donc... C'était plus long que je pensais, il y avait du monde en moutadine, mais bon, puis il n'y avait plus de dinde, c'était vide, genre plus une dinde, fait que j'ai l'impression que j'avais de la misère à en trouver. Mon père, il avait lu que cette année, il y aurait comme un shortage de dinde, fait que falloir que j'aille checker souvent au magasin salaire. J'en avais vu genre au métro, mais il était trop petit, fait que je vais continuer ma mission à toutes les semaines, là, jusqu'à Noël. Là, on attend le pick-up du McDo parce qu'il est déjà 12h45, fait que les enfants ont faim. On va aller manger à chapeau mon père, puis si on a le temps en revenant, on va arrêter au Jean Coutu puis au Dolo. Donc, je vous montre mon mini-haul Walmart un peu plus tard.
retour, je vais vous montrer. Finalement, je suis pas allée au Jonctu Dollarama, je vais y aller un autre jour parce que on a passé trop de temps chez mon père. Puis les routes commençaient à être pas belles, fait qu'on est revenu. Mais je vais vous montrer ce que j'ai eu pour 60$ au Walmart. C'est un mélange d'épicerie puis de petit linge, mettons. Bon ben, ça va que Ribi va le faire avec nous. Bon. Donc, la première affaire, j'ai acheté des petites pantoufles pour Ribi. J'ai pris 5, c'est grandeur 5-6. Il était 15$. Puis je me dis que pour le moment, elle marche pas, fait que c'est pas tant grave. Puis ça va y faire comme au printemps, mettons, avec un bas. J'ai acheté des petits oursons comme ça. Moi, je les aime bien, des oursons miel, bien simples. J'adore. J'ai acheté... Il n'y avait plus de mon lait d'avoine Earth Home. Ça ne tentait pas d'aller à une autre place. Fait qu'en backup, pour le moment, j'ai juste pris un silk à l'avoine. Arc, je n'avais pas vu que c'était à vanille. Wesh. En tout cas, je ne vais pas l'utiliser. Non. Si je vais le donner à quelqu'un, parce que je ne le veux pas. Mais bon, je n'avais pas vu que c'était vanille. Merde. Des bananes. Parce qu'on mange beaucoup de bananes ici. Puis je sais pas c'est quand je vais pouvoir faire mon épicerie. Dépendamment c'est quand qu'on va avoir le frigo. J'ai pris une petite robe de Noël pour la fille de mon mari. On n'en avait pas cette année. Il n'y avait pas de 6 ans. Fait que j'ai pris un 4-5 ans. Elle avait l'air quand même assez grande. Fait que cette petite robe-là avec les cannes de Noël, c'était 6$. Donc bon prix. Sinon... Juste prendre bébé. Ça va mon bébé. J'ai acheté de la poudre. Enfin, du sucre glacé pour les biscuits qu'on va faire. Le glaçage, ça prenait ça. Ça prenait aussi du sirop de maïs doré. Fait que j'en ai pris pour faire les biscuits de Noël. Un paquet de bacon parce qu'on reçoit pour le brunch demain. Cette sauce-là est tellement bonne, puis je ne la trouvais plus pantoute au Walmart. Donc, j'en ai pris deux. C'est la sauce chipotle, la mayo chipotle du... C'est la sauce piquante. Ouais, c'est pas très piquant. Moi et mon mari, on n'aime pas piquant, puis c'est vraiment doux, là. Mais elle est tellement bonne, fait que si vous l'envoyez, achetez-en. J'en ai pris deux, vu que ça fait comme un mois et demi qu'on n'en a pas trouvé. J'ai pris... je voulais acheter du jus de citron pour mon mari, mais je n'en trouvais pas en magasin, fait que j'ai juste pris un petit... jus de citron pour dépanner pour le moment. J'ai pris aussi un gros paquet de saucisses. Il y avait 28 saucisses pour 9$. Donc, c'est très bon prix, les saucisses déjeuner. Pour justement le brunch qu'on a demain. Puis sinon, j'ai pris du colorant alimentaire pour les biscuits qu'on va faire justement de Noël. On va en utiliser. Donc, et voilà. Donc, c'est mon petit haul de 60$. C'est sûr que les pantoufles ont coûté 15$, fait qu'il y a 15$ juste là. Mais bon, je range le tout et on se reparle. Bon, donc Ruby, elle a fait une petite sieste, mais c'est correct parce qu'on va passer du temps en famille. Puis, il est déjà quasiment 4h. Donc, on se reparle plus tard. Ben, dans le fond, un autre jour. Je vous souhaite un bon... n'importe quel jour que c'est pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo et on se parle une prochaine fois. Bye!